Alors, petite vidéo très rapide sur les achats du mois. Alors, déjà une petite boîte avec quelques circuits CMOS classiques. Parce qu'à force de jouer avec, j'en ai presque plus. Donc ça, pour expérimenter, ça sera bien. La même en série 74 TTL. Pas de surprise. Mêmes objectifs. Les connecteurs, j'ai un doute, je crois que c'était sur la commande précédente. Je crois pas que c'était sur celle-ci. Mais bon, peu importe. De quoi faire joujou. J'ai repris un deuxième petit chargeur d'AQ LiPo. Des connecteurs pour ces mêmes AQ. Des boîtiers avec interrupteurs, toujours pour les mêmes AQ. Parce que oui, il y a des petits projets autour de ça. J'ai repris aussi un vario moteur vitesse réglable, contrôleur de vitesse, pour alimenter, c'est là où ça devient sympa, une petite ponceuse stationnaire miniature, tout en espèce de d'alu. C'est vraiment pas mal foutu, de la bonne cam. À part qu'il n'y a pas de filtre ici. Et que normalement il y a un simple interrupteur. D'où l'intérêt d'acheter un vario. C'est bien sûr fourni avec différents grains. Et le jeu de clés qui va avec. Voilà pour les achats de ce début de mois de mai. Il y a quand même de quoi jouer.